Il y en a qui ont essayé de demander aux filles par quoi elles étaient attirées, et là, ils ont été foutus. Alors l'erreur que je vois souvent, c'est que les gars, ils se disent, on va demander aux filles par quoi elles sont attirées. Et bien, ça paraît logique, sur le papier. Mais là, tu entends des réponses, oui, moi je suis attiré par que des gens qui sont grands, qui sont millionnaires, etc. La vérité, c'est que quand il y a un vrai alpha qui rentre dans la pièce, hein, ça les laisse pas indifférentes. Donc en fait, il y a des traits qui attirent les femmes, c'est ce que je partage avec toi dans cette vidéo. Après, d'une manière générale, les femmes sont attirées par les traits masculins. Je sais que ça paraît basique quand je le dis comme ça, mais aujourd'hui, on ne sait même plus quels sont les traits masculins ou pas. On est dans la confusion, puisque avec le féminisme, bah, maintenant, on est tous égaux, donc on ne sait plus. Alors qu'en fait, c'était beau avant de savoir que voilà, bah, chacun avait son rôle, et c'est ce qui fait la beauté d'un couple, en fait. Chacun a son rôle, chacun a ses forces et ses faiblesses. On est fait pour travailler ensemble. Quand tu commences à vouloir faire que tout le monde soit égaux, bah, ça a plus de sens et ça chamboule tout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, on ne sait même plus vraiment est-ce que là j'agis comme une femme ou est-ce que là j'agis comme un homme? Concrètement, il y a des gars, ils savent pas. Hein. Là, je t'en donne un petit extrait comme ça, qui n'était même pas prévu dans la vidéo, mais on est là, on suit le flow. Les gars, par exemple, qui demandent plus d'attention à une femme que la femme lui demande, c'est un trait féminin, ça. C'est censé être la femme qui veut plus d'affection venant de toi que toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va la repousser d'ailleurs. Hein. Si tu veux toujours des bisous, donne-moi des bisous, plus qu'elle, elle veut des bisous. C'est quoi ton problème? C'est sûr qu'elle va dire oh, calme-toi, t'en veux trop, j'en peux plus. Bon, passons aux quatre traits masculins que je vais partager avec toi. Juste avant, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'ANAC, regarde quand même. Ou sinon, tu as la possibilité d'avoir des idées business personnalisées à ta personnalité, à ton expérience, etc., à tes passions. Tu auras un petit formulaire à remplir et on t'envoie un email où on va te donner exactement des idées qui seront basées sur ta personnalité, ce qui est quand même mieux quand même. Bon, premier trait, la confiance en soi. Et la confiance en soi vient avec un code moral fort. Ça veut dire quoi un code moral fort? Ça veut dire que tu as une éthique, une dignité, un honneur, des principes et tu ne bouges pas de ça. Quand tu as un code moral fort, tu es prêt à mourir pour tes principes, par exemple. C'est pour ça que les hommes vont partir à la guerre. C'est pour ça que quand, je sais pas, dans les films à l'ancienne, même quand le gars, on va le tuer, il dit non, je veux une mort digne, coupe-moi la tête comme ça. Ouais, mais fais attention quand même, parce que fais-le bien d'un coup, hein. Mais tu vois, il reste, voilà, il veut une mort digne. Ça, c'est demain à l'aube, hein, on fait des one-one. On se bat pas, genre, les gars, ils sont 50 sur un seul gars. Tu vois, tu as des principes, tu as des valeurs. C'est ce qui fait que durant le Titanic, les hommes ont laissé les femmes partir avec les enfants. Et ils savaient qu'ils allaient tous mourir. Parce qu'en tant qu'homme, tu as des principes, tu as une dignité, tu as un honneur. Et tu te bases là-dessus. Tu ne fais pas les choses par rapport à ce qui est meilleur pour toi. Tu fais des choses qui doivent être faites. Tu vois, contrairement, si tu veux toujours voir si jamais c'est un trait masculin, regarde l'opposé. Ça n'aura aucun sens que les femmes du Titanic disent non, allez-y les hommes, nous on reste sur le bateau. Ça n'existe pas. Déjà, ce n'est pas dans leur nature. C'est un trait masculin, ça. Elles ne vont jamais vous dire ça. Ça ne correspond pas. On est des hommes, elles sont des femmes, on a un honneur, on a des principes, on est prêt à mourir pour, on est prêt à mourir pour notre pays, on est prêt à mourir pour protéger les femmes et les enfants. Et c'est ce qui fait que tu es un homme avec du leadership qui est respecté par tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent la masculinité toxique. Je peux te dire qu'en vérité, ça n'existe pas la masculinité toxique. Hein. Les femmes qui disent ouais, masculinité toxique, au moindre problème qu'elle a, c'est toi qu'elle va appeler. Toi, masculinité toxique, misogyne, aide-moi! Elle ne va pas demander au simp de l'aider. Hein. Ou au bêta de l'aider, qui a des traits féminins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu es le leader. C'est pour ça que c'est des traits de leadership. Le fait d'avoir des principes, d'être prêt à mourir pour ses valeurs. Et regarde bien, les hommes, on va leur dire, fais ce qui doit être fait. Et les femmes, on va leur dire, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est complètement différent. Si sur le Titanic, il y avait un gars qui commençait à dire, non, moi, les femmes, non, 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 moi, j'y vais. On aurait dit, mais c'est... On n'aurait pas compris. On leur a mis une petite gifle, juste pour qu'il... Bah! Ah oui, si, mais je vais rester. Oui, non, je rigolais. Ah, Gérard, toi aussi. Donc, un homme avec des principes ne fait pas de compromis. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, tu vas voir, les femmes, comme elles sont attirées par ce genre d'homme, elles vont des fois essayer de faire ce que j'appelle des shit tests. Alors, des shit tests, c'est des tests, en gros. C'est des tests pour voir vraiment si tu vas respecter tes principes. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu dis que tu es un gars qui va à la salle de sport tous les jeudis, imaginons. Bah, peut-être ce jeudi-là, va te dire, ouais, reste avec moi. On va voir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu agis, comment tu agis. Hein? Parce que l'autre, c'était pas vraiment français. Hein? Comment tu agis? Et tout simplement parce qu'un homme sans conviction, sans honneur,
sans dignité, c'est un lâche. Hein, il n'y a rien de pire pour un homme. La pire des choses qu'un homme peut être, c'est un lâche. Et forcément, ce qui amène sur un gars à qui on ne peut pas faire confiance. Deuxième trait que j'ai noté, c'est que tu as la capacité de traiter tout le monde de la même manière. Ça veut dire que tu respectes tout le monde, que ce soit de la femme de ménage, au CEO, au docteur. Tu traites tout le monde avec respect et empathie. Et ça, quelle que soit ta position, que tu sois en position de dominance, que tu sois en position, je ne sais pas, tu es le boss, tu traites tout le monde de la même manière. Alors, ne pas confondre, parce que je sais que le féminisme a poussé les gars à agir comme des simps. Ça veut dire que les gars sont dans la confusion entre gentleman et simp. Ça veut dire qu'ils pensent que pour pouvoir être un gentleman, il faut être un simp. Non, ça n'a rien à voir. Mais le fait que tu traites tout le monde avec respect et empathie est vraiment attractif aux yeux d'une femme. Troisième trait, le leadership. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça ne veut pas dire que tu dois être le boss de quelqu'un. C'est juste déjà être le leader de ta propre vie. Avoir une vision, avoir des objectifs, avoir l'envie de se dépasser, être un rock dans sa famille et avoir la capacité de motiver les gens à faire pareil ou les inspirer par rapport aux actions que toi tu fais dans ta vie. Un leader est quelqu'un sur qui on peut compter. Un leader, c'est celui qui va prendre des décisions. Ça peut être pour des petites choses comme des grandes choses, tu vois, sur quel restaurant, dans quel restaurant on va aller aujourd'hui ou dans quelles vacances on va prendre. Le leader peut se tromper aussi, mais le leader va assumer le fait qu'il s'est trompé. Il va prendre les responsabilités, ce qui n'est pas très féminin, ça. Ah, toujours une petite croix de nez, ça va. Ouais, on en reçoit tout le temps, hein. Hein, parce que tu peux remarquer, hein, c'est quand tu as un date avec une fille, tous ses ex ont toujours été le problème. Hein. Elle, non. C'est jamais elle, non, aucune responsabilité. C'est pas de sa faute. Et c'est, voilà. C'est toujours eux. Tous les ex, c'est eux. C'est eux, ils ont frappé à chaque fois, c'est eux. C'est eux qui ont déconné, ils n'étaient pas ceci, ils ne sont pas matures, ils ne sont pas ceci, pas ça. Pourtant, c'est elle qui a choisi, c'est elle qui les a permis de rentrer hein, en elle, mais c'est elle. C'est elle qui a décidé qu'elle acceptait la relation, mais tout. C'est toujours les autres, c'est jamais. Voilà, hein, je te rappelle quand même que voilà, les féministes se plaignent. Oui, j'ai envie d'en parler. Les féministes se plaignent. Voilà, tout ce qui va mal dans leur vie, c'est les autres, c'est les hommes. C'est le patriarcat, c'est tout. Elles, non. Non, elles subissent, tu vois. Donc voilà, bref, en tout cas, fermons la parenthèse. Hein. Oh, c'est cadeau, hein, de temps en temps. Donc, très masculin, tu prends des décisions. Quand ça foire, c'est de ta faute. Et ça, c'est vraiment irrésistible pour une femme parce que ça montre que d'une part, tu sais t'occuper de toi et tu sais aussi t'occuper des autres. Ce qui montre qu'elle sera en sécurité avec toi parce que tu es quelqu'un d'ambitieux. Ça veut dire que tu seras capable de prendre soin de la famille, des enfants, etc. et d'assurer la legacy. Quatrième trait qui est irrésistible pour les femmes, selon moi, c'est un gentleman, mais dangereux. Ça veut dire que tu as les qualités d'un gentleman que tu connais. Mais en même temps, tu es dangereux. Ça veut dire que tu n'es pas un bouffon. Hein, donc, ça veut dire que si elle, déjà, elle te met des gifles ou elle te parle mal ou elle hausse la voix, tu sais que tu n'es pas dangereux. Dans sa tête, tu n'es pas dangereux. Voilà ce que je veux dire. Pas dans le sens où elle se dit « Ouais, il n'a pas plus de force que moi, vous pouvez me frapper. » C'est juste qu'elle va se dire « Lui, c'est un bouffon. » Tout simplement. Et quand je dis dangereux, je parle plus de, par exemple, s'il y a un souci ou si jamais tu dois protéger la famille, que tu puisses le faire. C'est pour ça qu'elles vont être attirées par les gens qui sont grands, les gens qui sont musclés, les gens qui, on sait, si jamais on est avec eux, on sera en sécurité. Donc, pour être dangereux, c'est pas compliqué. Hein. C'est déjà être fit hein, et faire un sport de combat. Pas compliqué. Hein. D'ailleurs, quand tu fais un sport de combat et quand elle sait que tu peux te battre, en tout cas que tu peux te battre, ça aussi, c'est vraiment attractif pour elle. Parce que toujours, les femmes vont toujours chercher la sécurité chez l'homme. Que ce soit financier, que ce soit physique, tout. C'est câblé dans leur nature. Donc, en réalité, les femmes sont attirées par les hommes. On pourrait conclure la vidéo comme ça. Les femmes sont attirées par les hommes, c'est juste que la société fait tout pour pouvoir nous faire croire qu'être un homme, c'est nul, c'est pas bon. Du coup, ils ont même trouvé un surnom, masculinité toxique. Voilà. Donc, être un homme, c'est pas bon. Sois une femme, pleure, chiale, je sais pas, montre tes sentiments, tout ce que tu veux. Sois dans l'émotion, voilà, ne te contrôle pas, ne sois pas stoïque, ça c'est bien. Sois une femme. Le problème, c'est que quand un homme commence à agir comme une femme, ça devient très dangereux. Parce que l'une des émotions qu'un homme a, c'est la colère. Quand un homme est en colère et qu'il laisse sa colère sortir comme ça, montrer ses émotions, ça part en sucette. Ça donne des résultats. Les gars
ça fait des shootings. Non, un homme doit apprendre à contrôler ses émotions et à utiliser par exemple cette colère comme un drive pour pouvoir accomplir les choses qu'il veut accomplir. Par exemple, le gars, tu peux être vénère, par exemple, t'es énervé parce que ouais, t'en as marre de la vie que tu as, ou tu n'as pas de succès avec les femmes, ou tu n'as pas le succès que tu aurais voulu avoir, ou t'es frustré, ou je sais pas quoi, tu t'énerves, shooting, ou tu veux avoir un gars, il y a un gars qui te code, comme t'es vénère, tu croises un gars dans la rue, t'es vénère, tu le plantes. Ah, mais gars, j'ai vu ça. Stoïque, un homme doit apprendre à contrôler ses émotions. Parce que la colère, elle vient d'où? La colère, elle vient du fait que tu t'aperçois que tu n'as pas la vie que tu voudrais avoir. Donc, au lieu d'utiliser cette colère comme ça, qui ne sert à rien et qui peut être dangereux pour les gens qui sont autour de toi, oui, sur le coup, tu te sens fort parce que tu es en colère, tu es vénère, mais finalement, ça n'apporte rien. Utilise cette colère-là pour pouvoir être un moteur et passer à l'action, faire les choses qu'il y a à faire pour pouvoir avoir la vie que tu voudrais avoir, qui coïncide plus à ce que tu voudrais réellement avoir. La colère est un terrible maître, mais un bon serviteur. Donc, utilise-la pour pouvoir faire ce que tu as à faire et avoir la vie que tu veux avoir, au lieu d'être colérique et de ne pas avoir contrôlé tes émotions. Et pour ça, tu as Zion, si tu veux passer à l'action, okay, où je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum 5000 euros par mois. Et tu as accès à toutes mes formations, plus un groupe privé. Enfin, si jamais tu veux passer à l'action et tu veux passer par moi, check ça dans la description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.